Coucou Ellie, est-ce que tu aimerais que je te montre un sort que j'ai appris à l'école des sorciers? Ouais, alors regarde bien. Je pose mon Imbus 2000, tu vois ce verre? Je vais le faire léviter, regarde. Je vais prononcer la formule magique. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Oh, regarde, ça marche. Oh, regarde, il flotte dans les airs. Coucou, 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 papounet. Coucou, papounette, ça va? Oui, tu es un sorcier magnifique, regarde. Papounet! Quoi? Papounet, c'est nul! Quoi? Mais attends, on le voit ton truc! Ah, on voit la baguette! Non, mais attends, elle est énorme en plus, elle est même pas transparente! Ah ouais? Non, mais attends! Ah, tu nous as fait croire que t'avais des pouvoirs magiques, que t'avais réussi à lancer un sort à la Harry Potter! Mais j'adore Harry Potter, ma Bah oui, je vois, t'es déguisé en Harry Potter, et il y a même une petite écharpe de la maison, Harry Potter, la maison Gryffondor! Bah tout à fait! Alors, moi, j'ai reçu Serpentard! T'es qui toi? Elle est Serpentard. Ah, elle est Serpentard. Regarde, Mamounette, je vais quand même te montrer. Moi, je suis Gryffondor. Je vais quand même te montrer un autre tour de magie. Allez. Alors, regardez, petits copains et copines, je vais vous dévoiler un tour qui est pas mal. Attention. Ici, vous faites une petite fente. Vous voyez, comme, okay. Comme ça. Voilà. Et vous passez votre pouce dedans. Regarde, Mamounette, je passe mon pouce dedans. Ok. Voilà. Alors là, vous dites, c'est nul. Hein, ouais. Mais regardez l'effet que ça fait quand je mets mes mains comme ça. Regardez. Alors, ce serait bien si on voyait pas ton pouce à l'intérieur. Ça commence. Attends, regarde, comme ça, je te le donne après, tu le fais. Ellie, essaie, hein. Oui. Alors, est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, on voit un peu ton pouce quand même. Et comme ça. Bravo, papou. Ah, merci, tiens, vas-y. Vas-y, 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 mets ton pouce. Et mets tes mains devant, comme Donc ça. Tu caches. Tu fais comme ça avec ton pouce. Tu fais bouger le verre. Vas-y. Ouais, c'est pas mal. Ah, pas mal! C'est pas mal. Alors, je pense que la fente, il faut bien la faire au fond du verre, oui, comme ça fond, on voit pas le pouce. Vous voyez le verre? On voit le verre, on voit le pouce, on voit le truc, on voit tout, Ellie. C'est un peu comme moi, quoi, c'était un peu nul. Là. Oui, tout à fait. Bon, papounet, Ellie, moi je vous propose d'ouvrir des capsules magiques Harry Potter. Des capsules magiques? Wingardium Generique! Dis Ellie, ça me va la frange? Non, ça me va pas. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Papounet, le Nimbus 2000, c'est pas une coupe de cheveux. Non mais j'essayais des expériences capillaires. Oui, tout à fait. Où est-ce que ça me va? Ah, fais voir. Attends, je te fais une frange. Oui, ça tirait bien. Ah oui, regardez. Ouais, c'est mimi. Oh, elle a une tête à frange. Oui, tout à fait. Bon allez, on est poussette parce que Mamounette va nous donner des capsules Harry Potter. Regardez, ça. Oh, je vole. Regarde, elle fait léviter la caméra, regarde. Waouh, bravo Ellie. Mais quel tour incroyable. Attends, je vais la remettre comme il faut maintenant. Bon alors, si on est là aujourd'hui, c'est pour découvrir une nouveauté Harry Potter. Nettoyer la table. Non, c'est pas pour nettoyer, papa. Moi, je vais voler, hein, si tu veux pas voler. Bah vole, vas-y, allez, on s'envole. Allez, au revoir les petits copains, la vidéo est terminée. Non, on va découvrir des capsules comme nous l'a dit Mamounette. Mamounette, envoie, j'ai hâte. Tout à fait, ce sont des capsules magiques Harry Potter et c'est la série 1. J'ai une idée, en Mamounette. Fait, tu vois tes cheveux blancs, bah, oui. On fait ça à la place et tu vois où sont tes cheveux blancs. Comment faut que je le fasse? En coupe et en mets. Mais voilà, comme ça je paraîtrai plus jeune. Oui, tout à fait. Oui. Non, mais sinon il y a des colorations, Ellie, tu sais. Je sais comment. Non, mais t'es beau, papounet, t'es beau, t'es beau. Oh, t'es moche avec. Une gare. Je suis Goldorak ou la licorne magique. Non, ou le taureau. Vous voulez pas les découvrir, mes capsules magiques? Regardez. Regarde, mon net. Regarde. Mais ton magie pourrie. Regardez. C'est trop mal fait. C'est vrai, c'est super mal fait. Mais vite. On est pourri en magie. Attends, regardez, Wingardium Leviosa, ta main. Ah, maman, elle vole. Regarde, Mamounette, maman, elle vole. Waouh, ça, c'est balèze. C'est, hein, on est pro en tant que magie. Stop lévitation pour ta main. Ça fait 2 minutes que vous parlez, vous faites n'importe quoi. On voit les capsules. On voit les capsules. Tiens, mon amour, je t'en fais passer une et je vais en montrer une à nos petits copains et petites copines. Alors, ça se présente comme ceci. Donc, c'est les capsules magiques d'Harry Potter. C'est pour les enfants à partir de 3 ans et là, c'est la série 1. On a une petite ouverture facile sur le côté.
Elles sont dorées et j'ai hâte de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors c'est assez lourd, j'espère qu'il y a plein de choses. Ça a l'air balèze. Alors du coup à l'intérieur il y a des figurines, je suppose. Je sais pas. Je suppose. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs ouvertures, alors je suis pas sûre. C'est vrai? Alors tu sais, Mamanette, moi je suis nul, on l'a vu dans une précédente vidéo, je suis nul en nom de personnages, de héros d'Harry Potter. Alors je vais vous dire ce qu'il y a. Il y a Voldemort, il y a Hermione Granger, il y a Harry Potter. Harry Potter. Ron. Winslet. Wesley. Wesley. Wesley, je crois. Hagrid. Hagrid. La petite chouette, elle s'appelle comment? Oh, le trou de mémoire. Edwige. Edwige. Oh là là. Dumbledore. Dumbledore. Et Hermione, on l'a dit Hermione. Je suis pas sûre. Alors montre-nous. Oh mais c'est super beau. Alors attends, finis d'enlever l'emballage. Attends, on met l'emballage parce qu'il y a plein de petites portes. Voilà. Magique. Comment ça se présente? Est-ce que tu peux montrer à nos petites belles copines là-bas? Je crois qu'il y a. C'est l'emblème de Gryffondor. Oui. Il me semble. Regarde, c'est une petite commode. Waouh, trop beau. Et derrière, je crois qu'il y a la poupée derrière. Regardez, on a un oiseau et une sorte de petite loutre, un serpent et un lion. Il y a le H de Harry Potter, c'est très beau. Et alors on a plusieurs petites fenêtres. On a le 1, elles sont numérotées. 1, 2, et puis on a le 3 derrière. C'est super beau, hein. Alors, on ouvre. Alors, on commence, le 1. Tu vois le 1? Ouais, on ouvre le 1. Alors, ça a l'air génial parce qu'on dirait une boîte magique, tu sais, avec tout un tas d'ouvertures. Qu'est-ce que c'est? Oh, un écusson! C'est un petit aimant, non? C'est un aimant, effectivement, c'est un magnète, Mamounette. Waouh, alors c'est quelle maison, ça? Rien. Hogwarts. Mamounette, y'a rien dans le 2. Ok. Ou alors c'est que c'est magique. D'accord. Mamounette, on a rien dans le deuxième. Tu vois, elle a ouvert, regarde, on a rien du tout, c'est bizarre. Hein. D'accord. Je sais pas si c'est normal. Bon, on va continuer. Allez, on ouvre le 3, c'est le plus important, le 3. Oh, y'a des choses, Mamounette, y'a des choses. Alors déjà, on a un fascicule, on a des petites pochettes surprises, regarde comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est? Trop belle. Oh, y'a la grosse, regarde, Mamounette. Regardez comme c'est beau. Y a la poupée. Un vieil emballage. Oh, trop cool. Alors regardez les petites copines, on a 4 emballages et l'emballage. Mais oui. Je peux voir l'emballage, il avait l'air beau. Il avait l'air beau. Il était beau. Je sais pas qui c'est. Alors on va prendre le petit fascicule. Oui, Mamounette, tiens, regarde, on va pouvoir voir tous les petits personnages. On a la 5. Luna. Regarde, Mamounette, waouh. Regardez, il me semble qu'il y en a 10 à collectionner. Oui, on le regardera sur le deuxième, mon petit cœur, c'est pas grave. Regardez comme elles sont sympas. Et alors nous, on a Luna. Waouh, elle est trop belle, cette petite figurine. Alors, elle s'appelle Luna. Oh, ouais, c'est de la qualité. Elle est très, très belle. Et on a eu un dragon dans la deuxième pochette, Mamounette. Il est magnifique, il est tout noir. Oh, il est mimi, regardez le petit dragon. Oh, il est chou. Trop beau. Alors, on y va, hein, on a la cadence. Allez-y, allez-y. Là, je pense que c'est la baguette magique, Mamounette. Oh, oui, c'est sa baguette magique. Je pense qu'elle peut la tenir dans sa main. Est-ce que tu as la figurine? Ah oui, c'est son animal de compagnie, ça. Regarde, Mamounette, on a la petite baguette. Oh, elle est minuscule. Et elle peut la tenir dans sa main, tu vois, sa main, il y a une petite encoche. Oh là là, c'est une baguette balai. Baguette balai. Oui, tiens, tu peux lui la faire tenir. Et ça, c'est son animal de compagnie, un petit dragon. Trop mimi. Allez, je lui mets sa petite baguette dans les mains. Hop, voilà, regardez. Ouais, stylée, la petite sorcière. Avec le petit dragon. Trop mignon. Trop beau. Alors, on ouvre le sachet suivant, qu'est-ce que c'est? Il est tout petit. Qu'est-ce que c'est? Oh, un livre de sort, Mamounette. Je crois que c'est un livre de sorts. Ça, Ellie, elle fait ça, m'intéresse pas. Okay. Regarde, Mamounette, c'est un petit livre de sorts. Oh là là, il est vraiment tout petit. Oh là là, regardez. Waouh, il est minuscule. Oh, c'est rigolo, Mamounette. Elle a des accessoires dans le dernier sachet. Des accessoires un peu fashion, regarde. C'est un accessoire qui permet de voir en 3D. Non, d'accord. Les petites lunettes. Trop alors sympa. Ça, je m'y attendais pas. Hein. Ok, moi non plus. Vous n'attendez pas à ça, c'est pas trop dans l'univers d'Harry Potter ça. Pas hein. Tellement, mais c'est pas. Ça permet de les customiser un petit peu, regarde Mamounette. Attends, je vais lui les mettre. Tu vas voir ça. Là, on peut mettre ce qu'on veut là-dedans. Oui, en fait, c'est une armoire magique, regarde, regarde un petit peu. Hop, je lui les colle, regarde à quoi. Et il y a aussi Dobby. Ah, il y a Dobby. Bah oui. Dobby. Regarde Mamounette. Elle est fashion. Elle est sympa, ouais, elle est fashion. Bon, là, c'est le placard de Dobby. T'en as un autre? On va passer à la seconde. Allez. Seconde capsule magique. Alors, j'espère qu'on n'aura pas de double, pas fumé. Ah bah, j'espère aussi. Hein, et alors, on peut tout ranger à l'intérieur. C'est la surprise. Après, c'est sympa. Ouais, ça, c'est bien. Faut la garder, elle est belle. Elle est jolie. Là, ça va plus vite. T'as vu, Mamounette? Allez, ça y est, on a la technique. On commence le 1. Qu'est-ce qu'on a comme emblème?
Alors j'espère que c'est un autre emblème. Ah, c'est le même. C'est le même. C'est la même maison, Mamounette, exactement le même emblème. Ok, pareil. Si oh, il y a un truc dans le 2 cette fois. Ah, il y a quelque chose dans le 2 cette fois. Ah, mais attends, mais je l'ai vu ça dans le 1. J'ai cru que c'était de l'emballage. Je l'ai balancé. Qu'est-ce que c'est? Il est là. Tu le vois? Non, c'est pas ça. Si. C'est un truc comme ça là. Bon, attends, t'es perdu. Ah, le mystère. Voilà ce qu'il y avait, regarde. Alors, je sais pas ce que c'est. Il avait peut-être glissé à l'intérieur. Bah, regarde, je sais pas ce que c'est. Tiens, l'autre. Je pense qu'il faut mouiller et qu'on va découvrir quelque chose. Ah, tu penses? À mon avis, je sais pas, il y a une petite goutte d'eau. C'est possible, Marie. Attendez, je vais à la salive. Mais c'est avec la salive, ça va être dégoûtant. Mais bien sûr que c'est ça. Est-ce que c'est alors, quand on mouille... Attendez, je le fais à la salive. Hein. Allez, fais-le à la salive. Oh là là, c'est regardez. Dégoûtant. Il va puer le papier. Oh là là, ah oui, c'est dégoûtant. Il y a écrit reparoi. C'est un tour de magie. Si on voit bien. Reparoi. Ah, c'est quand il y a quelque chose qui est cassé. Regardez. On repart. C'est un sort, reparoi. Tiens, papounet. Et là, on est en train de faire le deuxième. Reparoi. Ah oui. Reparoi. Fais voir. J'essaye. On va imaginer qu'elle est cassée. Réparole. Ça marche, ma Mamounette. Waouh, super. Parole. Voilà. Et alors, sur le deuxième, il y a écrit quoi, Elise? Tu l'as mouillé? Ouais, elle l'a mouillé. Ah, Allo Mora. Allo Mora. Ah oui. Tu connais? C'est un sort connu? Non, moi je connais pas Allo Mora. Tiens, regarde. Moi je connais des moments, t'as besoin de moutarde Amora. T'appelles ta maman et tu dis Allo Amora? Tiens, maman. Oh là là. Mais c'est ce que ça veut dire? Regardez. C'est sympa, c'est cette petite chose. Je sais ce sort. Waouh, tu connais trop ce bien. Sort? En fait, c'est ça. Alors. Regardez, c'est écrit, c'est chouette. Cool. Bon, maman, sympa. Quand ça sèche, ça redisparaît. Bah ouais, c'est sympa. Hein. Et en fait, vous savez ce que ça veut dire? Non, Allo Amora. En fait, ça veut dire disparaître. Tu penses? Bon, c'est un sort de disparition. Ok, on te fait confiance. Alors, regardez la petite pochette de la figurine. Oh, on dirait une petite malle Harry Potter. Trop sympa. C'est un petit cartable, petite malle. Trop bien fait. Oh, super le détail. Oh, la baguette. Oh, là, on a la baguette. Non, c'est une plume dans un petit encrier. Donc, on n'a pas le même, Mamounette. Donc, c'est quelqu'un qui écrit les sorts. C'est un scribe, Mamounette. Regarde. Mmh. On a une petite plume. Qui sait, peut-être que c'est Voldemort. Aïe, aïe, si c'est Voldemort, j'ai peur. Waouh. Si c'est Voldemort, Voldemort, c'est pas écrit. C'est un livre de magie, c'est un ça? Un livre de magie. History of Magic. Regarde. Regardez. Waouh, le petit livre. C'est vraiment minuscule. Hein. Mais Mamounette, c'est fou, hein? Regarde, c'est en train de disparaître. Ouais, trop cool. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a une baguette. Alors, c'est une baguette grise. Alors, regarde, elle est en bois. Elle est grise. Alors, c'est vraiment tout petit. Un chat? Voilà. Mamounette, qui a pour animal de compagnie un chat? Ouh là là. Je ne sais pas. Je ne sais pas non plus. Regardez le petit chat. Waouh, sympa. Moi, je dirais une fille. Ouvre la figurine. Non. Une fille, moi aussi, je dirais un chat. Est-ce que c'est une fille? Oui. C'est une fille. Est-ce que c'est Hermione? C'est Hermione. On a Hermione. Celle-là, je la connais, Mamounette. Oui, c'est Hermione, ça. Waouh. On a Hermione, quoi. Trop bien. Incroyable. Elle écrit dans sa chambre. Ah oui, elle écrit dans sa chambre, Hermione. Elle écrit les sorts. Qu'elle écrit là-dessus, bah justement. Oui, mais de toute façon, ils sont à l'école, hein. Faut bosser, il faut écrire. Ah, bah oui, oui, il y a des devoirs à l'école. Faut bosser. Je vais bosser. Allez, je vais dans ma chambre. Bah, tu me la montres avant qu'elle aille bosser. Mais Mamounette, il n'y en a pas une autre. Oui, il y a une troisième capsule. On va pas s'arrêter là. Jamais 203. Les petits copines, on va découvrir cette troisième capsule. Alors, regardez Hermione. Wow, elle nous fait un petit clin d'œil. Elle est très belle. Non, il n'y a rien. Waouh, super. Elles sont mini ces petites figurines. Hein. J'adore. Et c'est de la qualité, il y a beaucoup de détails. Waouh, wow, très sympa. Génial. Oh, wow, Hermione, on la reconnaît, il n'y a pas de souci. Hein. Bon alors la troisième, j'espère que ce ne sera pas un double non plus. Ah, j'espère aussi. Hein. Parce que c'est ce qu'on vous disait, puisque mes copines, c'est le hasard total, c'est la chance. J'ai pas d'astuce pour savoir si on achète des capsules différentes. On ne sait pas, on n'a pas d'astuce. Oh, elle est trop belle Hermione, j'adore. Alors, case numéro 1. Encore pareil. La même maison. Encore le même écusson, j'ai envie de dire. Ok. Là. Mais en fait, Mamounette, c'est normal qu'on ait toujours le même. Il y a les quatre maisons représentées dessus. Ah, donc forcément, on aura toujours le même. Le serpent pour Serpentard. Le griffon pour Gryffondor. Allez, vas-y, mouille. Ah, mais tu vas direct avec ta. Oh, c'est un autre sort. Bah oui. Comme pour cacheter la lettre. Je suis pas sûre qu'il faut pas. Ça.
Wingardium Leviosa on a. Oh là, cette fois-ci, Mamounette. Alors, attends, je rajoute un peu d'eau. Parce qu'il en manque un peu là. Oh, Mamounette, on a le vrai sort de lévitation, regarde. Waouh, alors là, on va peut-être avoir Harry Potter. Oh, ça serait trop bien. Oh, t'imagines si on avait Harry Potter. Ouais. Oh là là, mais si on a Harry Potter, mais ce serait le top, Mamounette. On aurait les meilleures figurines au monde. Alors là, Ellie, elle ouvre. Il y a un animal de compagnie, une souris. Un petit rat, une petite souris. Oh, elle est trop mignonne, fais voir les oreilles toutes roses, Mamounette, regarde. Oh, regardez, elle est Mimi. Oh, c'est ma préférée. Oh ouais, elle est trop belle. Trop belle. Même le petit détail de sa queue. Je sais même pas qui c'est. Trop chou. Trop beau. Moi, j'adore ça. Est-ce que ça s'empile? Non. Non. Non, ça s'empile pas. C'est trop mignon. Ça s'empule. Ça s'empule. Un pull. Un pull au vert. Ça sent un pull. Alors, qu'est-ce qu'on... Ça sent un pull. Ah, ça sent le pull. Ça s'empule. Mmh. Jeu de mots. Ouais. La bonne école. La petite baguette. Voilà, regardez, alors elle est tellement fine. Est-ce qu'elle ressemble à ça, Mamounette? On dirait une écharde. Si elle ressemble à ça, c'est la baguette d'Harry Potter. Est-ce qu'elle ressemble à ça? Est-ce qu'elle est marron et noire? Elle est marron. Tu vois? Ouh là là, les non, elle est marron, hein, Papounet. Tu vois? C'est moi de mort. Une fiole. Potion magique. Une potion, tu penses que c'est Voldemort? Regardez, petit accessoire supplémentaire. Moi, je me demande. Minuscule. J'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Un piano avec des dents. Qu'est-ce que c'est que ça, Mamounette? Un piano avec des dents, regarde, ou un coffre avec des dents, je ne sais pas. Regarde. C'est un livre, non? Un livre ranger, tu penses? Eh, vous savez même pas qui c'est, nananère. Alors dis-moi, est-ce que est-ce que c'est Harry Potter? Non. Non, c'est pas Harry Potter. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de très connu? Ça peut être Ron, Draco. Ron. C'est Ron? Oh, c'est Ron, mais c'est top aussi, Mamounette. Ah, super. C'est les meilleurs amis d'Harry Potter. J'ai Malfoy. J'aime bien Malfoy, Ron, moi. Moi aussi, j'aime bien me faire rire. Oh, il est mignon, regarde. Waouh. Oui, il fait du piano. Super sympa. Donc là, on peut également lui mettre sa petite baguette dans sa main. Là, on et va oui, lui la glisser. Oh, trop la, bien. La grenouille aussi. Trop chouette. Oh là là, mais oui, Mamounette, dans le film, il a une souris, il a une grenouille, il s'amuse comme ça. Alors ça, c'est oui, on avait quand même beaucoup d'indices. Hein. Non, on avait des indices, mais on est nuls, nous. Un peu. J'adore, Mamounette. Toi, t'es pas nul. Toi, ça va, tu t'y connais en Harry Potter, t'as vu le 1, le 2. Est-ce que tu as vu le 3? Pas encore. J'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3, j'ai pas vu le 4, j'ai pas vu t'as le 2. T'as vu que le 1? T'as vu le 2, mais à un moment, tu t'es arrêté. Ouais, ça faisait flipper. Oui, les araignées, wesh. Les araignées. Les araignées, wesh. Je connais pas cette. Les araignées, cette wesh. Mais écoute, c'est une race d'araignées, elles sont comme ça, les araignées. Elles font. Oh, ouais, je fais des toiles, wesh. Je fais des toiles d'araignées, wesh, wesh. Bon, les petits copains, copier, on espère que ça vous a plu. Sachez que ces capsules sont désormais disponibles en magasin. Elles sont pas chères du tout. Et dedans, il y a des superbes figurines. Bon, on va acheter les suivantes. Allez, on y va en abus de mieux. Allez, c'est parti. On vous fait des gros bisous, les petits copains, les petites copines. Oui. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, likez, partagez, commentez. On vous embrasse. Je vais aller chercher ma voiture. Où elle est, la voiture? Elle est où, la voiture? Moi, je fais de la guitare avec le nimbus. Mais la voiture, elle est partie. Elle est où, la voiture? Mais on n'a pas besoin de voiture. On a le nimbus 2000. Non, mais dans le film. Ah, dans le film. Ah oui, dans le film, il y a la voiture qui lévite comme ça, qui rentre dans le sol cogneur. Qui parle. Elle parle. Elle part la voiture. Elle part. Et elle rentre dans le sol connard. Elle part. Oh là là, c'est compliqué. Oh là là, bon, on vous conseille des films. On vous conseille des films aussi. Bon, on se laisse sur quoi, sur qui, comment, pourquoi? Hein? Quoi qu'ils ont fait? Alors, on se laisse sur. Sur quoi? Sur ta bouche. Ma bouche? Ma bouche.